L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet coup de cœur sur deux accessoires bien sympathiques de la marque Synchros. Tout d'abord, un garde-boue arrière, le petit frère jumeau du garde-boue avant, vous connaissez, petit garde-boue à 15€ à l'avant qui se fixe sur toutes les fourches Fox, quel que soit le diamètre, quel que soit le modèle. Aujourd'hui chez Synchros, il y a vraiment une solution pour toutes les fourches Fox, et là, eh ben, ça serait dommage de s'en priver. Et maintenant, eh bien, vous avez également un modèle arrière à moins de 10€ qui se fixe sur toutes les selles qui disposent d'un petit filetage à l'arrière avec l'anthrax standard pour fixer aussi bien les GoPro que les sacoches ou encore eh bien, les garde-boue. Donc forcément, ben, toutes les selles Synchros en sont munies. Donc les selles Synchros, vous les retrouvez d'origine sur les Veloscott, sur tous les modèles à partir de 400€. Et également ben, sur pas mal de marques, ProByGear a également le même anthrax. Et si vous cherchez bien, je pense que beaucoup de marques ont cette petite option qui va permettre de fixer le garde-boue à l'arrière et à l'automne de rouler en ayant, on va dire, moins de projection dans le dos, en rentrant un peu plus propre, un petit peu comme à l'avant. Donc ça, c'est vraiment un petit accessoire bien sympathique et efficace. Et puis après, l'autre accessoire, ben, toujours chez Synchros, c'est un porte-bidon, mais un porte-bidon qui intègre, on va dire, un outil multifonction. Et vous pouvez faire le choix soit de l'acheter porte-bidon seul avec son multi-outil, mais également avec l'option mini-pompe ou encore cartouche de CO2. Vous pouvez le monter aussi bien en sortie droite ou gauche grâce à un astucieux système réversible. Et surtout, eh bien, vous avez un outil ultra compact sous le bidon. Et surtout cet outil, eh ben vous avez tout ce que vous pouvez attendre d'un outil multifonction, le dérive chaîne, la plupart des clés Torx, dont la T35 qui va permettre de resserrer tout ce qui est articulation, mais également les BTR et tournevis plus usuels, ainsi que la clé à rayon pour roue Mavic, et sinon les standards en 14 et 15. Et d'ailleurs, ce multi-outil pourrait être à lui seul également un coup de cœur, parce que là, on a vraiment produit vraiment très intéressant en termes d'outillage transporté, puisqu'on a un outil complet avec toutes les clés Torx, notamment la grosse T35 qui permet de resserrer les axes de suspension, mais surtout toutes les clés nécessaires pour réparer toute bobologie lors d'une sortie. Alors c'est clair que si vous roulez dans du grand gras, vous serez quand même sale, mais c'est toujours une partie des projections d'éviter. Parfois, c'est bon à prendre.